Aujourd'hui, on va mettre fin à un débat de plus de 5 ans. Benzema ou Giroud. D'un côté, on a l'un des meilleurs attaquants du moment. Et de l'autre, on a Giroud. Mais on l'aime bien quand même. Pas facile de choisir un camp. Mais vous allez devoir le faire. Écrivez-moi tout de suite dans les commentaires si vous êtes Team Benzema ou Team Giroud. Voilà, comme ça, grosse guerre dans les commentaires. Le référencement au max. J'ai passé 5 heures pour créer 11 répliques d'Olivier Giroud et 18 de Karim Benzema. Je me suis vraiment appliqué sur les tailles physiques pour qu'ils ressemblent à l'identique au vrai joueur. Je peux pas vous mentir, le résultat il est affolant vraiment. Voilà Benzema et Giroud. J'ai vraiment fait de mon mieux, j'ai vraiment passé 5 heures. S'il vous plaît, respectez mon travail. J'ai repris vraiment chaque statistique de tous les joueurs et je les ai reproduits à l'identique. Regarde ça, ils entrent sur la pelouse. C'est incroyable. Non, vraiment, c'est le meilleur concept. La coupe de cheveux, là, ça va pas du tout, vraiment. Je vous jure que j'avais pas le choix. Si on en est là, c'est qu'on n'avait pas le choix. Regardez sa gueule. Il y a une ressemblance. Allez, genre de... 4%. 11 Benzema contre 11 Giroud. Je vais donc jouer l'équipe de Giroud. Parce que sur FIFA, il est moins bien noté, donc ça va être plus dur. Franchement, Giroud, il y a une petite ressemblance quand même. Mais mec, je paierais des milliers d'euros pour voir ce match en vrai. Et j'ai dû créer 18 Benzema parce que tous les remplaçants du Real, comme c'est pas vrai que les contrôles, il faut que ce soit des Benzema, sinon il va faire rentrer des non-Benzema. Allez, c'est la fin du débat. On est parti. 11 Benzema contre 11 Giroud. Bon, le petit souci, c'est que Giroud, il est carrément moins fort que Benzema sur FIFA, quoi. Et il est vraiment très lent. Oh, attention, Benzema qui fait la passe à Benzema dans l'axe. Putain, ça commence déjà, mais qu'est-ce qui se passe? What? J'ai pas pu lui prendre la balle. Et là, vraiment, les défenseurs qui font bien leur taf de placement quand même. Oh, commence très bien, 4 minutes finalement. Vraiment, ça m'étonne pas du tout, hein. Voilà, ça fait quand même 7 ans que j'ai une chaîne YouTube. D'ailleurs, on vient de passer les 250 000 abonnés. Si c'est pas encore fait, vous cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Vraiment, toutes les vidéos, je me prends un but en moins de 10 minutes. Oui, c'est pas l'air qu'on va perdre Giroud. La frappe de Giroud, on roule les deuxième potes. Ah, mais il est gaucher. En vrai, j'aime pas pourquoi on se pose la question. Au bout d'un match, on a déjà la réponse, hein. Benzema ou Giroud. Benzema, il fait 2 matchs. Il rate un penalty. Oh, attends, il y a Giroud. Il y a Giroud qui fait la passe à Giroud. Bim! Bim! But d'Olivier Giroud! Bah oui, Benzema, il est très mauvais au goal par contre! Ça, c'est bien ça par contre! Il y a vraiment aucun goal. Bon, des deux côtés du coup, mais c'est pas mal. Mais regardez ça, cette cohésion d'équipe! On dirait qu'ils sont frères! On dirait que c'est les mêmes joueurs! Ouais, du coup, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, en 2 matchs, Benzema il a fait quoi? Il a raté un penalty et il s'est blessé contre la Bulgarie. Giroud il a joué 30 minutes, il a marqué un doublé. J'ai vraiment rien contre Benzema! C'est un excellent joueur évidemment! Par contre, notre Giroud national, voilà, il a été un peu piqué dans son orgueil. Il s'est dit, attends, on va pas me péter à la place comme ça! Moi j'étais là, j'ai joué la Coupe du Monde, j'ai absolument rien fait, j'étais pépère! Là, y a un mec, il arrive à me prendre ma place, mais regarde ça, Giroud est parti, il est vénère, Giroud. Oh là 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 là, la passe, allez Giroud, vas-y, tu... Ça là là, dommage. Allez là, c'est le vrai Benzema. Attention, parce que le Benzema, il est encore plus fort que les faux Benzema. Je sais pas pourquoi, hein, j'ai mis les mêmes stats, mais c'est vrai, il est encore plus fort. Attention, Benzema sur le côté droit, qui va la passer à Benzema. Oh là là, la défense est pas du tout en place, là, c'est une catastrophe. Oh là, il l'a arrêté. Ça se voit que c'est pas un gardien de profession, là, quand même, hein. Dans ses mouvements, dans ses réflexes. Tu sais, on dirait moi au cage, au five, mais quand... Oh là là là, mais non. C'est le but. Je commence à raconter une anecdote. Il me calme direct. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas m'écouter, c'est ça? C'est vrai qu'il a été claqué quand même, mon anecdote, hein. Je crois que je vais pas la raconter. Je crois que c'est mieux comme ça en fait. C'est un signe. Je devais pas la raconter. Allez, Olivier, il est parti dans l'axe. Vas-y, t'as pas de vitesse, mais fais un effort, s'il te plaît. Allez, allez. Goal, Olivier Giroud. Égalisation de partout. Oh, je sens que c'est un très bon match là. Là, déjà 2-2 en 30 minutes. Ça se voit qu'il y a quelques attaquants dans ce match. Par contre, niveau défense, ça se voit également qu'il y a des attaquants en défense, quoi. Non, qu'est-ce qui se passe? Attends. Là, par contre, on va pas être d'accord. Merci d'avoir arrêté le but de la main, il n'y a aucun souci vraiment. Écoute, moi ça m'arrange, hein. Attention, parce que là ça va aller vite, là. Oh, le trou. Oh là là. Oui, le tacle est sur... Bah non, là, on va pas être d'accord, monsieur l'arbitre. Bah non, mais là, il n'y a pas pénalty. C'est incroyable, là, le rassemblement. T'as Benzema contre Giroud, le pénalty incroyable. Il va tirer à gauche. Il a bien tiré à droite, hein. Il m'a bien défoncé, là, hein. Oh oui, ça revient. Superbe. Hop, tac, la frappe de Giroud. But, égalisation à nouveau, troisième égalisation, hein. Giroud il a du mental lui. Allez, let's go. Oui, ça c'est pas mal. Oh, Giroud il est parti tout en bas, mais ça c'est superbe. C'est magnifique que l'on m'appelle. Le centre, deuxième poteau. Allez. Wouh. Ah ouais, il s'est enflammé là. Il y a quand même un truc qui est pas mal avec le retour de Benzema en équipe de France. C'est-à-dire que même s'il marque pas, il force Olivier Giroud à marquer. C'est-à-dire que le gars a jamais été aussi performant que depuis qu'il y a quelqu'un à son poste quand même. Ça me fume de voir les 11 mêmes joueurs dans mon équipe. Oh oui, let's go. Au moins par contre c'est pratique, t'as pas besoin de te poser la question, genre ouais, est-ce que lui il est gaucher, est-ce que lui est droitier, est-ce que lui il va plus vite que l'autre, machin, c'est. La passe est magnifique, il y a même pas hors jeu. C'est magnifique. Par contre, mais qu'est-ce qu'il est lent. Bon ouais, c'est pas grave, c'est Benzema au goût, il peut pas l'arrêter. Oh non. C'est la barre transversale. Non mais là c'est pas. Bah, il y a même pas hors jeu. Mais non, mais là c'est pas possible, c'est la poisse là. Non mais là c'est pas possible, j'ai pas de chance. Putain, mais il marque en plus. Non. Je vais le faire égaliser pour la quatrième fois. Allez, let's go. Hop là, il est parti. Oh, la talonnade, il n'y a pas hors jeu du tout. La passe en profondeur, c'est joli. Et bim. La frappe enroulée. C'est le but. Enroulé du droit. Mais bon, là, en même temps, du droit ou du gauche, tu peux pas rater. Tu joues au football quand même. Ah mais parce que c'était le vrai Giroud, regarde ça. Ces petits sauts de cabri comme ça. Quatrième égalisation pour Olivier Giroud. Ok, là par contre, quand ça se passe comme ça, généralement à chaque fois je me prends. Mais
Bah non, bah pourquoi je m'énerve? Bah y'a pas besoin de s'énerver. Y'a aucun souci, moi de toute façon j'avais capté depuis longtemps que c'était à côté, t'as vu? Oh le petit râteau, la petite talonnade, oh c'est joli, la petite passe, la frappe enroulée d'Olivier Giroud. But 5-4, ça y est, on repasse devant. T'as de l'animation des supporters, parce que franchement ça me tue. Bon, ils ont fait des progrès, ils ont fait des progrès par rapport à il y a quelques années où les mecs c'est juste des boules de carton. Mais là quand même, t'as genre 5 modèles de supporters différents, et quand tu marques ils sont comme ça. Attends, il a fait sortir Benzema. Mais il a fait sortir le vrai Benzema pour faire rentrer un faux Benzema. Quelle est cette imposture? Mais attends, qu'est-ce qu'il fout par terre lui là? Oh non, là je vais me faire éclater là. Oh là là. En vrai, c'est pas compliqué de marquer parce qu'il y a vraiment aucune défense, il y a pas de goal. Par contre, tu te prends des buts en 2 secondes et demie, tu peux pas défendre quoi. Oh, joli ça. Hop. La feinte, la frappe. Bah superbe, Lucas, c'était magnifiquement joué. 6-5, on repasse devant. Oh, c'était bien joué, regardez ça, le petit râteau. Et là, hop là, la feinte et la frappe. Extérieur du pied, Lucarne, mais y'a rien à dire. C'est vrai que c'est le moment de faire des changements. Je pense que Giroud il a assez joué, on devrait faire rentrer Giroud à la place Clément. Attends, y'a un bug. Y'a un bug? Non, non, arrête, arrête, tu peux pas faire ça là. Je peux... Non, non, non. Je peux pas quitter? Je fais retour, ça marche pas. Non, non, mais là, attends, arrêtez, 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 c'est pas drôle là. Là, ils vont vraiment péter ma vidéo, juste parce que je peux pas faire rond? Juste parce que j'ai voulu faire un changement? Je peux changer personne, y'a plus rien qui marche? Mais voilà, c'était évident en vrai. Non, parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui arrêtent pas de critiquer FIFA, genre ouais, le jeu il est buggé, etc. Enfin, c'est franchement pas compliqué. Quand tu fais un changement, tu dois déconnecter de ta manette, reconnecter ta manette, mais changer de camp pour pouvoir retourner dans le menu et ensuite faire choix du camp et retourner dans la première équipe. À un moment, c'est juste une question de logique, hein. Ah non, non, mais pourquoi je laisse passer lui? Non, 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 arrête, arrête, il y a Giroud au goal, c'est... Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais c'est terrible! Égalisation à la dernière minute! Regarde ça, même les remplaçants! Tout le monde... Une pluie de Benzema! C'est un déluge des Benzema, il neige des Benzema! Oh là, ouais, ah ouais, ils sont hystériques, là! Ah, ils ont pété un câble, hein! Attends, mais Giroud, qu'est-ce que tu m'as fait, là? Mais mec, tu l'avais vraiment complètement arrêté, c'est terrible ce que tu fais là. Non mais de toute façon, il n'y a pas de script dans le jeu. C'est normal que le gardien va mettre un but contre son camp à la dernière seconde du match, il n'y a vraiment rien de plus logique. 6-6, égalisation à la fin. Bah Giroud du coup a encore mis un but, hein. Vraiment il ne s'arrête plus. On va faire vraiment gaffe là, il reste une... si je me prends un but maintenant, je vais pleurer là. Ça voudrait dire qu'officiellement Benzema est plus fort que Giroud. Attention, attention, récupération de Giroud, récupération de Giroud. Ouh, on est sauvé, c'est bon, c'est bon. Allez, contre-attaque, pourquoi pas, la dernière. Giroud qui est parti. Allez Giroud! Oh là là! Oh! Le tag incroyable! Ah ouais, le mec il a pris shot un tag, ok. Ils n'ont pas réussi à se départager en 90 minutes. Ils vont devoir aller aux prolongations. Giroud contre Benzema qui remportera ce match 6 partout quand même. Le centre, tranquille, il y a Giroud. La sérénité, parce que là, à tout moment, le mec il mettait la claquette en pleine lucarne. Je vous rappelle que ça reste un attaquant quand même, donc à un moment il voit le but, il met la balle au fond, hein, c'est tout. Ah pardon, c'est Giroud. Il voit le but, il met la balle à côté. Excusez-moi, c'est vrai qu'il manquait ce petit détail. Hop là, la petite talonnade, voilà, on va régler ça, on va régler le cas Benzema tout de suite. Hop là, la lucarne d'Olivier Giroud, ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de gardien. Allez, 7-6. On n'a pas de temps les turbos, il n'y a pas de temps à perdre, l'Euro a commencé maintenant. Je dois passer donc chaque seconde de ma vie devant un match de football à présent. Bon, c'est pas vrai parce que je suis quand même en train de vous préparer 2 énormes vidéos pour l'Euro. Il y a 2 raisons pour lesquelles il faut s'abonner, c'est... Attends, c'est pas ça. C'était pas la bonne raison. Je me fais corriger par Karim Benzema, 7-7. On va y aller au tir au but, on va y aller, alors que j'ai dit que non. Il y a 7-7, mais à aucun moment il y a eu un écart de plus de 1 but, c'est quand même fou. Du coup, j'allais dire, la première raison, c'est pour les vidéos de l'Euro. Putain, mais vraiment, à chaque fois que je parle de s'abonner, en fait, je vais me prendre un but, c'est ça le délire. Oh non, 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 là, on peut pas accepter. Non, mais là, on peut pas accepter, mais regarde ça, même mon goal, il tacle Giroud. Bon, attends, là, je me mets en mode ultra offensif, là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Je vous avoue qu'en vrai, j'étais extrêmement serein, je pensais vraiment que j'allais gagner ce match. Ouais, on peut y arriver, on peut y arriver. 3 minutes, il faut juste que je récupère tout de suite. C'est bien, j'ai récupéré tout de suite. C'était exactement ce qui était prévu. La petite retourne acrobatique pour faire la passe, c'est nickel. Oui, la passe en profondeur. Allez Giroud, la talonnade, allez Giroud. La frappe de Giroud. Il la sort Karim Benzema. Oh c'est pas possible, c'est pas possible. S'il te plaît, interception, là on intercepte tout de suite. Faut intercepter maintenant. Allez, on a intercepté, relève-toi. Let's go, c'est la dernière. Je crois qu'il est hors jeu, j'ai essayé de la faire au bon moment. Là je crois que c'est vraiment la fin. En plus Giroud qui se blesse. Non, Benzema a remporté ce match. Non, c'est vrai que là maintenant on a eu la vérité sous les yeux. Benzema est meilleur que Giroud. Ce qui est certain, c'est qu'on a de la chance d'avoir ces deux joueurs dans l'équipe de France. Et moi je vais faire mon mieux pour vous sortir d'énormes vidéos aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde. Bye.